Finalement, comme vous aurez pu remarquer, je suis encore au centre-ville. Ça n'a pas de bon sens. J'étais sûre que je n'allais pas devoir revenir, mais finalement, j'ai dû revenir. Puis dans le fond, je suis venue parce que c'était pour des commissions, pour des leggings, pour ma tante et pour ma soeur. Finalement, je suis sortie sans leggings parce qu'il n'y avait pas ce que j'avais besoin. Mais je me suis acheté un manteau que j'aime full, un manteau chic. Enfin, je n'avais pas depuis longtemps. Puis une robe pour ma tante. Puis là, je m'avais acheté un cadeau de Noël pour ma soeur. J'ai aussi acheté, dans le fond, ma bille Pandora, vu qu'on n'a pas reçu la bonne bille. Là. Ma mère, elle va garder l'autre. Puis, elle m'a fait acheter la bille. Ça va être un de mes cadeaux de leur part, à mes parents. Fait que je l'ai vue, elle est vraiment trop cute. Je viens d'arriver, puis là, j'ai trouvé de tous mes cadeaux. Fait que ça, c'est les cadeaux à ma mère. Devant moi, j'ai le gros cadeau à ma soeur, mais je vais pas le montrer parce que au cas où que quelqu'un, soit elle, regarderait ça ou une de ses amies, puis il dirait je capoterais, je veux pas qu'elle sache. Fait que, ouais. Puis j'ai aussi mon gros sac Red Band en arrière, mes cartes de Noël, faut que j'envoie à mes amis demain quand je travaille. Puis là, je suis en train de me dire qu'il faut que je commence ma valise, je vais commencer maintenant que j'ai fini l'école. Écoute, oh mon dieu, Seigneur. Yeah, on a fini! Oh my god! Fait que maintenant que j'ai fini l'école, je pense que je peux me concentrer sur mes autres choses parce que, veux, veux pas, on est lundi, je m'en vais jeudi matin à 5h du matin. Donc, ça me laisse pas grand temps. Puis comme c'est ça, je travaille demain de 2 à 10 le soir. Puis aussi, j'ai un rendez-vous pour mes ongles à 11h20 le matin. Fait que ça me laisse vraiment pas grand temps pour faire à peu près rien. Fait que je pense que je vais sortir ma valise puis je vais mettre les trucs comme que je sais que j'ai pas besoin, toutes les affaires qu'il faut que j'amène. Peut-être j'emballerai mes cadeaux aussi pour pouvoir les mettre dedans directement. Je sais pas trop, là il est 9h30, je viens d'arriver. Finalement, je suis restée jusqu'à la fermeture encore des magasins. Je voulais venir faire du lavage ici parce que sérieux, comme tout mon linge est sale, là, je sais pas quoi faire. J'ai comme pas le temps de faire le lavage parce qu'on a des heures maximales pour aller le faire. C'est entre 9h et 9h. Fait que demain, je vais essayer de me lever plus tôt. Ça fait combien de fois que je vous dis que je vais essayer de me lever plus tôt? Genre, ça marche jamais parce que je suis trop à bout, là. Justement, aujourd'hui, c'est ça, j'ai fait mon examen puis j'avais une grosse migraine parce qu'à force de me coucher tard, hein, fallait que ça pogne. Fait que durant mon examen, grosse estime migraine. J'ai réussi pareil, mais j'ai vraiment écrit le plus vite possible. Puis je me suis comme débarrassée de ça, là. Ouais, j'ai essayé de m'appliquer quand même, mais comme c'était rushant, là, parce que si vous avez des migraines de famille, que vous aussi, vous savez à quel point ça fait mal, puis c'est pas juste un petit mal de tête, là. Puis j'avais pris des naproxens, puis ça avait rien fait. Fait que c'est ça, j'avais mon examen, ensuite j'ai été remettre notre travail final dans l'autre cours, là, celui qu'on finissait l'autre jour. Ça, la journée, puis j'ai pas vlogué beaucoup parce que toute la journée il manquait de batterie, puis aussi il fallait que je parle sur FaceTime avec ma mère pour lui montrer les différents leggings et tout ça, et mon manteau, et la robe que j'ai essayé, tout ça. Finalement, j'ai pas essayé le manteau, mais tantôt je vous le montrerai là, quand je vais filmer avec ma caméra. Puis il y aura pas ma deuxième vidéo, mais ma troisième vidéo de cadeaux, d'idées cadeaux en ligne, parce que j'ai perdu un des fichiers, j'ai supprimé un des fichiers, le plus gros fichier, sans m'en rendre compte. Fait que c'était idées cadeaux pour des étudiants ou des personnes qui sont nouvellement en appart. Puis je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, mais je l'ai perdu. Puis de toute façon, l'autre que j'ai fait de cocooning n'a vraiment pas eu beaucoup de vues. Fait que j'ai l'impression que ça vous intéresse pas tellement. Fait que ça me fait moins de peine dans ce temps-là. Mais c'est sûr que j'avais fait une vidéo que j'ai perdue. Fait que ça, c'est plate. Mais bon, on se reprendra l'année prochaine. Voilà. Donc là, pour le reste des vidéos, je pense que ça va être... Pour le reste, ça va être des vlogs. Puis si j'arrive à faire comme des Get Ready With Me ou quelque chose, je fais ça aussi. J'ai pensé au fait que
Je n'ai pas eu de breakdown cette session-ci. C'est ma première. Genre, à chaque session de cégep, à chaque session d'université, un moment donné, je me mettais à brailler pendant une soirée au complet. Puis là, ça m'est pas arrivé. Fait que, soit un, je me suis acclimatée, soit deux, je suis morte de l'intérieur. Who knows? Ok, là, je vais vraiment ça. C'est vrai que je n'ose presque pas ces temps-ci, mais les batteries sont un petit peu faibles. Fait qu'on voit que les petits lumières sont pas si fortes qu'avant. Ça, franchement, je vais mettre ça dans ma valise. Si vous n'avez pas écouté le vlog de hier, c'est pour faire une recette de petits pains fourrés végé. Puis il faut de la soupe Amy's parce que c'est de la soupe végé. Puis je sais pas, le Bob le chef, il dit la soupe Amy's. Puis l'an dernier, moi, j'avais pris la soupe Amy's parce que cette année, j'ai encore acheté celle-là. Ça disait pas laquelle, là. C'est juste pas, tu sais, pas eux avec les nouilles alphabètes dedans, mais là j'ai pris légumes et orge. Je me suis dit que l'orge j'allais rajouter une texture, mais maintenant j'y pense, de l'orge c'est une genre de... En tout cas, c'est une genre de pâte, là. Parce que l'année passée, il me semble que j'avais pris légumes et lentilles, si je me trompe pas. Puis c'était bien, là, mais là je voulais comme essayer une autre sorte. Fait que je vais ouvrir rapido mes calendriers parce que mais j'aime pas ça les ouvrir une autre journée que la journée qu'on est censé être. Fait que là, on est le 17. Il reste vraiment pas beaucoup de choses. Oh my god, ce mois a passé tellement vite. C'est pas bon ça. Sinon, ça, j'aurais quand même le goût de me faire un thé. Je vais peut-être m'en faire un pendant que je fais ma valise parce que j'ai toujours rien commencé. J'essaie de relaxer dans mon lit. Sweet almond green. Vert amande. En même temps, j'avais goûté l'année passée vu qu'il était bon. Il me semble. Après ça. Ici. Yay! C'est lui au cappuccino. J'étais tellement tantôt, je disais à ma mère qu'il y avait un des chocolats dans mon calendrier que j'aimais tellement. Au cappuccino, puis que je me demandais si on pouvait le trouver dans les commerces, parce que moi j'ai jamais vu ça, fait que encore une fois, je vous appelle à me dire si jamais vous les avez vus quelque part, si ça s'achète quelque part. Donc là, la petite case, c'est une bûche, là, quand je gratte. Oh, un traîneau. Le lot, ça a été 25$. Pas grave! J'ai déjà gagné 3 fois, fait qu'il peut juste me rester comme 2 cases gagnantes maximum. Fait que c'est ça qui saute. Qui saute. Tente d'allumer une chandelle, mais j'aime pas ça quand j'ai mes carottes plus proches. Je vais le mettre comme ça parce que je veux pas que ça tombe dessus puis que ça fasse pogner le feu. Et au début, ça fait pas des grandes flammes, la même chose si vous voyez. Après ça, ça se calme. Oh, je manque-tu de mon chocolat parce que j'ai intérêt de manger des chips orange épicé. Puis c'était salé. J'ai changé de goût. Fait que c'est ça. Je sais pas si je l'avais montré, mais ça ressemble à ça dans le fond. Ça va-tu focuser? Et ouais, ça tombe partout, oui. En tout cas, c'est comme une petite truffe comme ça. C'est vraiment bon. Le moment est venu. Voilà, j'ai sorti ma valise. Puis si vous vous demandez pourquoi à chaque année j'amène autant de stock, c'est ça, j'amène des choses pour ma mère. Puis des fois, il y a ma tante aussi qui veut quelques trucs. Puis si je descends ça aux îles, c'est qu'il n'y a pas ces magasins-là. T'sais. Attendez, je vais me remonter là, pour vous parler. Bon, je pense que les gens réalisent pas de un à quel point c'est loin, les îles de la Madeleine. Puis à quel point que c'est... comment dirais-je? Qu'il y a pas, il y a vraiment pas tout ce qu'il y a en ville. Tu sais, c'est comme, il y a rien à voir. Fait que tous les magasins là, que vous voyez que je vais acheter des trucs pour ma mère, là, c'est des magasins qu'il y a pas là-bas, sinon je n'emmènerais pas ça. Tu sais, j'irais pas chez Avian Rose, puis chez Bath & Body Works, etc. S'il y en avait par là, c'est vraiment que il y en a pas. Puis, comme c'est une île, ben pour aller dans ces magasins-là et tout, il faudrait qu'ils prennent comme le gros bateau traversier pendant 5 heures, puis qu'ils fassent un petit peu de route, puis qu'ils se rendent, mettons, à Moncton. Fait que c'est quand même quelque chose que ça leur arrive de faire, mais que, tu sais, quand ils ont l'occasion qu'ils connaissent quelqu'un qui descend de Québec ou de Montréal
qui s'en va aux îles, ben souvent ils peuvent demander des commissions. Fait que c'est pour ça que j'amène tout le temps un shitload d'affaires à ma famille. Mais moi, ça me dérange vraiment pas. Tu sais, je suis contente qu'ils aient qu'ils peuvent profiter du fait que je m'en vais pour ramener des trucs. Ça, c'était vraiment pas cher. Je pense que c'est en spécial à 2 piastres avec quelque chose. Ils sont full bêtes. Tantôt, je vais tout emballer des cadeaux. Là, je sais qu'il est déjà rendu tard, mais j'avais pas prévu de me coucher de bonne heure ce soir ni les prochains soirs parce que je pouvais juste pas. Là. Parce que j'ai trop de choses à régler avant de partir. J'ai hâte de fêter ça aussi. Il y a comme des nouveautés là, chez Pandora. Fait que j'ai pris le petit pamphlet. Ouais, fait que avant que, c'est ça, que vous vous posiez des questions, tout ça, c'est pour ça que je ramène ça. Voilà. Oui, ma valise est tout le temps vraiment pesante, mais regardez. Fait que ça ici, c'est ça, c'est la robe que ma tante, elle avait vue, qu'elle voulait que je lui amène pour qu'elle l'essaye. C'était chez Redmond. Je sais que je vais mettre ça, ben je vais juste le mettre avec le linge normal, ça là. Moi, je vais faire comme une pile de linge en bas le bas. Et ouais. Je sais tellement pas comment je vais tout rentrer là. Vous avez pas vu la grosseur des cadenas à ma mère là. Il y en a un qui est gros. À chaque fois, je me débrouille là. Mais c'est tout un petit peu un casse-tête faire une valise. Surtout que là, la mienne est encore plus petite qu'elle était avant parce que j'ai changé avec celle de mes parents. Parce que celle-là, elle a 4 roues, fait qu'elle se roule vraiment, vraiment mieux. J'adore ça. Mais c'est sûr que. Elle est plus petite un petit peu. Fait que voilà mon manteau que j'ai acheté au Redmond. J'étais vraiment contente. À la base, il était 179,90$ qui avait été réduit à 159,99$. Puis là, il était à 50%. Fait qu'il m'a coûté 80$. J'étais bien trop contente là. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'en ai essayé. Ben c'est sûr que vraiment vous vous en rappelez. Mais l'autre fois, c'est au Old Navy. J'avais essayé un manteau dans ce genre de tissu-là, un genre de manteau plus chic. Puis je pensais que j'allais l'aimer, mais finalement je trouvais ça vraiment laid, mais c'est parce que il n'y avait comme aucune forme au manteau, fait que ça ne m'allait pas bien, tu sais. Tandis que celui-là, là, tu sais, il va venir cintrer ma silhouette. Puis là, c'est sûr que là, je suis en pyjama, j'ai pas de. Ouais, c'est ça. J'ai pas de vêtements chics et tout ça, fait que ça fait bizarre, là. Mais avec du linge chic, là, ça va être vraiment beau. Je l'aime full. Fait qu'on peut faire comme un double nœud, mettons, là, de même. Puis il y a un super gros col. On peut mettre un petit foulard aussi si on a froid. Fait que c'est ça. Puis c'est pas vraiment rose, c'est comme un. Ben c'est comme un mauve lilas. Ouais, quand même un peu rose. Mais ouais. J'ai un autre manteau rose comme pour le printemps, mais celui-là c'est vraiment pour l'hiver. Puis il y avait là, exactement le même dans le noir. Mais j'aimais celui-là, je trouvais qu'il était plus original. Puis que ça faisait vraiment moi, là, vu que j'aime beaucoup ça mettre des trucs. Des trucs roses, puis que je suis tout habillée pas mal avec une touche de rose. Fait que je le trouvais vraiment, vraiment mignon. Je suis contente d'avoir été chez Redmond pour ça. Puis il y a des petits boutons de chambre si jamais ils finissent par se découdre. Fait que ça, c'était une achat de Redmond. Puis le reste, je peux pas vous les montrer parce que c'est des cadeaux de Noël. C'est ça. Vous verrez ça dans ma vidéo du 25 décembre. Ben, vous êtes publié le 26, mais je suis censée filmer quelque chose le 25. On va voir. Mettons les autres choses. C'est des boîtes de biscuits pour maman. Boîte de Kleenex pour maman. Hey, juste ça. Non, ça fait bon ça. Il va peut-être falloir que je laisse des trucs ici. Je pense que ça le fera pas. Là. Une autre boîte de Kleenex, on en voulait 2. De même. Tu sais, genre. C'est sûr que je passe juste 7 jours, mais tu sais, si je vais emmener des cotons à thé ou tout ça, je pense que je pourrais pas. Ça, je peux mettre ça dans ma pochette à maquillage. Un savon à main. Je regrette, là. On dirait que je vous disais, ça me fait plaisir d'amener tout ça, blablabla. Bla, bla. Puis là, plus que je regarde l'ampleur de la situation, plus je suis comme, ah, ok. Fait que c'est ça. J'ai plein de gel douche, puis j'ai 2 chandelles, puis un savon de Bath & Body Works. Tout dans ce sac-là, c'est pas grave. Comment je vais voir ça? Moi, si je le mets comme ça, j'essaie de le plier. Écoutez. C'est tout qu'un fucking casse-tête, tout ça, là. On dirait que c'est encore pire cette année. Je sais pas qu'est-ce que j'ai de plus, là. C'est ça,
là que j'ai pas mal de gel de douche. Non, je pense que la meilleure solution, ça va être de juste les incorporer à mes vêtements pour libérer un peu d'espace. En plus, ça, je peux pas emmener ça dans. C'est pas comme si je pouvais emmener ça dans ma, avec moi hein, dans l'avion. Parce que c'est plus que 100 ml. Oh my god. J'essaie de trouver une solution. Puis je vous montrerai ça là, au fil des jours. Je pense que j'ai trouvé une sorte de stratégie, mais ça va mal. Vous voyez, au moins, il y a comme toute cette épaisseur-là. Là, des vêtements, ça se plie quand même bien, mais il manque les bougies. Le reste, c'est pas mal dedans, sauf les cadeaux. Fait que je me dis, je laisserai cet espace-là pour les cadeaux. Peut-être qu'un des deux cadeaux, je l'amènerai avec moi dans l'avion, mais ça me fait un peu chier, mais au pire, je vais faire ça. Puis, ouais, il va falloir que je m'arrange, là. Puis mes vêtements, ben c'est ça. Il faut vraiment que je fasse du lavage. Tout ce que je vais emmener est pas mal sale. Fait que. Faire du lavage, après ça, je vais pouvoir les placer dedans. Tout le monde! Fait qu'on dirait que je suis vraiment gênée de genre avoir juste filmé quand j'étais chez moi avec mon pyjama, qui est pas un pyjama, là. Ben, c'est un pyjama, mais c'est un t-shirt de band de 5 Seconds of Summer, qui est le groupe le plus rock que j'aime. Mais je les aime vraiment beaucoup, pour vrai. J'avais été les voir en spectacle en 2016, puis le chandail est très laid, mais le spectacle était bon. Ouais, fait qu'aujourd'hui, on dirait que c'est comme... La journée n'a aucun sens dans le vlog, mais cet après-midi, ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait de l'étude. Cet après-midi, j'avais un examen de 2 à 5, j'avais une migraine ophtalmique incroyable, fait que ça a été vraiment difficile. Après ça, en sortant de mon examen, ça s'est calmé, j'ai eu mal à la tête encore pendant un petit moment, mais j'ai pu finir les derniers détails, faire imprimer notre travail final, aller le porter, porter version électronique aussi. Puis après ça, là maintenant, j'avais à ce moment-là, j'avais plus mal à la tête pour bien faire. T'sais, genre, ça aurait pas pu être pendant mon examen, mais on contrôle pas ça, les migraines. Après ça, je suis allée justement au centre-ville parce que ma mère voulait des leggings pour ma soeur. Puis finalement, je suis sortie de là sans leggings pour ma soeur, mais je me suis trouvé un manteau, fait que... Alright, c'est bien correct, c'était une des affaires que je voulais acheter. Je me cherchais aussi un kit de Noël. J'aurais voulu avoir comme une jupe full brillante ou un top brillant avec des pantalons taille full haute, un peu pâte éléphant. En tout cas, mais bref, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai pas fait beaucoup de magasins non plus. Mais en même temps, il y avait un côté de moi qui voulait ça, puis l'autre côté de moi qui était comme, t'as sûrement besoin d'un nouveau kit à Noël, j'en prends quelque chose d'autre que t'as déjà. Mais tu sais, pour les photos, des fois j'aime ça avoir des nouveaux outfits, puis genre ça fait plus original, là, qu'on dirait que si je mets la même robe que j'ai mis l'année passée, ben, les gens vont être comme, est-ce que c'est une photo de l'année passée? En tout cas, ça, c'est dans ma tête. Ouais, les réseaux sociaux nous rendent un petit peu fous, mais c'est plus juste. fait que finalement, j'ai rien pris. À part le manteau, puis les trucs que j'achetais, blablabla, cadeau Noël, blablabla, blablabla. Puis je suis revenue chez moi juste à peu près à 9h30. Fait que depuis ce temps-là, là, j'ai essayé d'arranger ma valise. C'est encore en processus. Là, maintenant, j'ai arrêté de travailler là-dessus. Je vais continuer demain parce que j'étais juste fatiguée. Mais c'est ça. Demain, j'ai un rendez-vous pour mes ongles. Je travaille. Après-demain, je travaille aussi. Puis jeudi, je prends l'avion. Fait que c'est ça. On dirait que ça me rassure de tout vous dire ça comme ça dans l'ordre. On dirait que je suis une fille là, qu'il faut qu'il se passe comme des listes. Puis il faut que dans ces vidéos, ça soit clair. Tout ce qu'elle dit, parce que sinon, tu sais, des fois, j'ai l'impression que quand on écoute des vidéos nous-mêmes, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la vidéo, on est comme « what the fuck, on comprend pas ». Fait que j'aime mieux l'expliquer comme ça, parce que c'était vraiment sans dessus-dessous, là, jusqu'à date, ce contenu-là. Fait que là-dessus, je vais vous laisser pour continuer la mise en ligne de la vidéo et, le ben en fait, avant, il faut que je l'exporte. Mais l'exportation, la mise en ligne et tout, tralala. Puis, on se revoit demain. Merci de continuer d'écouter mes vlogmas rendus à ces jours-ci de l'année. Ben, du mois, parce que des fois, je sais qu'il y a des gens qui écoutent les premiers, après ça, bouffe, ils arrêtent. Mais pour ceux qui restent, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis, vos petits commentaires, tout ça. Ça me fait full chaud au cœur. Puis, j'aime ça, vlogger un petit peu ma vie. Même si, des fois, quand je regarde en arrière, je suis comme, OK, pourquoi j'ai publié ça en ligne? Genre, c'est gênant. Comme, là, en mettant, en ce moment, mon chandail de fin de semaine. Mais en même temps... OK. Mais en même temps, il y a aussi d'autres moments que je suis vraiment contente de filmer parce que je les écoute les années d'après. Puis ça me rappelle full des beaux souvenirs. Fait que là, ça pourrait me rappeler la journée où j'ai fini ma session d'université. Puis que j'étais faire du shopping, même si je m'étais dit que j'en faisais plus. Mais là, maintenant, j'ai vraiment plus le temps. Fait que
les occasions étaient là pour les gens de me demander d'acheter des trucs. Maintenant, j'y vais plus. Fait qu'on se ça, on se revoit demain. Je vous aime fort.